Bonjour mes amis, Gémeaux et Gémotes, j'espère que vous allez bien, mes petites louloutes. J'espère que vous êtes en forme, en santé et en joie, mes amis Gémeaux que j'adore, puisque je suis Gémeaux comme vous. Alors, on va passer, bien sûr, on va faire votre lecture de ce mois de novembre 2023 pour voir un petit peu vos énergies, quelles vont être vos énergies, quelles sont vos énergies. Et surtout, qu'est-ce que ça va entraîner, qu'est-ce que ça va vous apporter pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, j'ai deux petites choses à vous dire avant, très rapidement. Je vous ai fait découvrir une artiste peintre spirituelle qui s'appelle Véronique. Je vous invite à aller voir sa page Facebook qui s'appelle Véronique avec un K, peintre, artiste peintre spirituelle. Allez la découvrir parce qu'elle fait vraiment des choses formidables. Ça vaut le coup quand même de rencontrer, de connaître de nouvelles personnes aussi, parce que c'est que pour le plaisir des yeux. Elle est vraiment formidable, cette personne, hein. Voilà. Et puis la seconde chose, c'est pour l'oracle. L'oracle que j'ai créé avec mon amie Alexia HD. Elle a sa chaîne YouTube aussi qui s'appelle... avant, c'était HD. Alexia HD... respire, j'ai plus un truc et elle a changé. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors, cet oracle s'appelle « Je suis ombre et lumière ». J'ai fait une petite vidéo de présentation. Donc, je vous invite à aller l'écouter. Donc, dans ce jeu qui est en noir et blanc, sur les cartes fond blanc, il y a des petites phrases. C'est moi qui les ai faites, qui les ai... reçu en message aussi, je l'ai fait avec mon cœur, et Alexia a écrit des phrases, elle, sur les cartes fond noir. Elles sont traduites en anglais, mes amis. Alors, on y va, les filles, on apprend l'anglais en même temps, hein, ok? Donc, cet oracle est disponible, s'il vous intéresse, il est à 28 euros, et l'argent sera reversé, pour ma part, à une association qui s'appelle l'association Polygone. C'est une association qui s'occupe d'enfants autistes ou d'adultes autistes aussi, mais pas que. Je l'explique dans ma vidéo, donc écoutez cette vidéo. Voilà. Donc, c'est aussi une façon d'apporter son aide, d'apporter aussi une contribution avec notre cœur à cette association. Alexia, elle, a choisi plutôt une association qui est basée sur la recherche de personnes disparues. Voilà, je trouve que c'est joli, c'est beau et c'est important de penser aux autres et de faire quelque chose quand on peut le faire. Voilà, alors c'est parti pour vous mes petits Gémeaux, mes petites Gémotes. Allez, nous on est en forme, on a de la joie de vivre, on y va, on est légère et on a la pêche. Mes petits Gémeaux, mes petites Gémotes, j'adore dire Gémotes et je n'arrêterai jamais de le dire. Voilà, alors c'est parti. Je vais prendre déjà l'oracle... des mandalas d'énergie pour vous, pour voir un petit peu vos énergies actuelles et pour ce mois de novembre, hein, qui va aller jusque peut-être mi-décembre aussi, hein. Alors, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, c'est pour vous, bien sûr, c'est une guidance générale, lune en Gémeaux aussi, donc ça reste général, vous faites preuve de discernement, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Vous êtes très intelligente, mes petits Gémeaux. Mes petites Gémeaux, vous êtes intelligents. Vous êtes d'une finesse. Je ressens beaucoup de douceur. Beaucoup de calme. Je ressens beaucoup d'apaisement aussi. Pour vous, mes amis Gémeaux. Un apaisement intérieur. Ouais, c'est ce que je ressens. Alors, mes amis Gémeaux. Ah, on te dit, passe à l'action. Fais un premier pas, d'abord tranquillement, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. Regardez comme elle est jolie, cette carte. Il y a beaucoup de bleu dans votre... Il y a une dominance de la couleur bleue, verte aussi. Ça va passer par la communication. Vous changez votre façon de communiquer. Il y a aussi de nouveaux échanges, de nouveaux contacts. On s'intéresse à quelque chose de nouveau où on exprime ses sentiments, on exprime ce qu'on ressent
mais aussi, je dirais que comme vous êtes en guérison par rapport à votre cœur, par rapport aussi à votre façon de faire, à votre façon de d'agir ici. Ici, vous allez être peut-être un petit peu plus diplomate, mais aussi un petit peu plus... C'est marrant, j'entends le mot ambassadrice, ambassadeur. De par votre savoir-faire, par votre savoir-faire en communication, vous trouvez toujours les mots justes, mais avec beaucoup de calme, beaucoup de compassion et beaucoup de compréhension et d'amour. J'ai l'impression qu'ici, il y a beaucoup de gémeaux, gémotes qui veulent peut-être se réconcilier ou faire réconcilier des gens, les personnes autour de vous. Ça peut être familial ou amical, parce qu'ici, tout autour, il y a des mains. Ici, ce sont des mains, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc, il y a des apaisements, réconciliations, apaisements. On renoue des liens, peut-être, avec des personnes qui se sont éloignées de vous. Vous voyez, c'est possible. Je ne sais pas, j'ai entendu un bruit, là. Alors, je vais encore en prendre une pour vous, mes amis. Tout est possible ici. Oh, mes amis, par rapport à votre... on fait un pas... tranquillement, on est prudent, on est prudente, on examine ou on observe beaucoup, on écoute, on tourne sa langue cette fois dans sa bouche avant de s'exprimer. Et j'ai même l'impression qu'ici, il y a comme un grand calme. Nous qui avons tellement l'habitude... Les Gémeaux ont l'habitude de communiquer, de dire ce qu'ils pensent. On est quand même assez crash, je sais plus, non, assez honnête. On est honnête, on est spontané et quelquefois, il n'y a pas toujours de filtre et ça peut très bien être mal perçu par la personne en face. Et ce que je ressens ici, c'est que il y a un apaisement. Il y a une réflexion, une intelligence, une finesse. Soit vous écoutez, vous observez, mais vous ne dites rien. Mais ça fait grande impression sur votre entourage ici. Ici, ce que vous souhaitez, mes amis Gémeaux, c'est que les choses se passent bien avec votre famille. C'est ça, je sens. C'est un noyau, et ce noyau, c'est la famille. Tout est possible. Pousse tes barrières intérieures. Crois en toi et n'aie pas peur de décrocher la lune. Vois comme le monde s'ouvre devant toi et t'attend. Tout est possible si tu y crois. C'est pour ça qu'on te dit passe à l'action. Mais j'ai l'impression qu'ici tu passes à l'action avec douceur, avec réflexion, avec intelligence. Et j'ai l'impression, ce que je ressens aussi ici pour vous, mes amis Gémeaux et Gémotes, c'est qu'il y a des choses qui se réalisent. Vous allez avoir en face ce que vous souhaitez. Et ça va vous redonner la pêche. Il y a une dominance de la couleur jaune ici, dans l'intention, dans la motivation, dans la joie. Je sens, et vraiment ici, c'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens fortement pour vous, les Gémeaux. C'est l'esprit de famille, mais avec beaucoup de douceur. On se réunit, on se rassemble, on se recontacte. C'est marrant, j'entends encore le mot ambassadeur, ambassadrice. Et tu as « apprends la légèreté » et c'est encore à peu près les mêmes couleurs que cette carte, hein. Ici, il y a une passion, il y a une envie, une passion d'aimer la vie, vous profitez de la vie, profitez de la vie. Et c'est mérité parce que il y a eu des manques,
manque d'amour, manque d'argent. Ça a été difficile, il y a eu des périodes très dures. Il y a eu des moments de manque, où vous êtes senti frustré, bloqué, tout ça. Et là, il y a quand même une pulsion, quelque chose qui redémarre, quelque chose qui vous fait voir la lumière, qui vous fait dire, ben non, on m'a pas oublié, vous voyez. Apprends la légèreté. Lâche prise, suis le flot de la vie et laisse entrer la légèreté dans ton quotidien. Les choses peuvent être légères, permets-le et poursuis ta route sans t'inquiéter. Ouais, il y a un lâcher-prise ici. Un lâcher-prise sur des choses dans le passé qui vous ont déstabilisé, qui vous ont fait du mal, qui vous ont empêché. Ouais. Bon, c'est pas mal du tout, mes amis. Regarde, fais comme si, pense, sens et agis comme si tes vœux les plus chers s'étaient réalisés. Sois l'essence de ce que tu désires ici. Il y a du bonheur hein, qui arrive dans ta vie. Hein. Du bonheur, de la joie, de la chaleur, de l'amour, de la douceur, de la tendresse. Moi, c'est ce que je ressens. Waouh, c'est fort, hein. Je vais vous prendre le jeu de votre destin. Ouais. C'est très très fort. Hein. C'est très beau. Ça commence bien, mes amis Gémeaux. Hein. Gémotes. Vous le méritez parce que vous avez quand même été très malmenés. Hein. Très meurtri, très. Pouh. Ça a été. Il y a eu une période noire, comme je vous l'ai toujours dit, vous sortez de cette période noire, de cette misère, de ces difficultés. Alors, pour mes petits Gémeaux, pour le mois de novembre, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, donnez-moi des messages. Alors, je vais choisir, je sens comme ça, d'accord? Vous avez vous, bah vous sortez, vous. Vous êtes là, donc il y a une réalisation, il y a une proposition peut-être, quelque chose qui arrive vers vous. On va pouvoir se réaliser, on va pouvoir être soi-même, on va pouvoir se libérer, on va pouvoir penser à soi aussi. On est vigilant, on fait attention, tu vois, c'est un petit, c'est rigolo. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Et oui, mais avec prudence, hein. Je sens que vous êtes très prudent, mes amis Gémeaux, Gémotes. Vous regardez là où vous mettez les pieds. Il y a aussi le fait que vous voulez voir les choses qu'on vous propose clairement. Vous posez des questions, vous y allez en profondeur. Vous n'y allez plus à tâtons ou vous ne faites plus confiance quelque part, tu vois ? On prend soin de soi, on prend soin de son corps, on prend soin de son image, de son énergie. On prend du temps pour soi, on se ressource. Ouais, c'est ce que je ressens. On prend soin de soi, on prend soin de son corps. On écoute son rythme aussi. Moi, ce que je ressens, c'est que, en fait, parce que ici, elle marche sur l'eau. Bon, il y a des petits rochers. Mais ces rochers, c'était des temps de pause pour intégrer certaines émotions, certains événements que vous avez traversés. Et vous avez intégré la leçon. Intégré la leçon, mes amis Gémeaux. Donc, vous protégez maintenant. Waouh, oh, mes amis Gémeaux, Gémotes, hein. Waouh. Il y a une rencontre sentimentale ici. Vous allez de nouveau ouvrir votre cœur ici. Mais il y a aussi l'ouverture de votre cœur sur des personnes qui sont différentes de vous. Sur des personnes qui ont une autre façon de réagir,
de s'exprimer, de qui ont un autre point de vue que vous. Il y a plus de compréhension. Donc il y a plus de douceur qui s'émane de vous ici. On vous dit aussi que en fait, peut-être qu'il y a des choses qui ont été lentes parce que vous avez été peut-être vigilante dans votre activité professionnelle, dans les propositions que vous avez pu avoir ou dans les approches sentimentales, amicales. Vous voyez ? Et on vous dit qu'il y a peut-être eu des tentations, des envies, des choses que vous aviez envie de réaliser, mais pas n'importe comment. Et ça ne l'a pas fait, parce que c'était peut-être pas le moment, mais aussi peut-être que ça s'est... Les portes se sont fermées, ça ne l'a pas fait. C'est comme ça dans la vie. On vous dit de ne pas obtenir ce que vous voulez, et parfois un merveilleux coup de chance. Et ça, ça s'avère dans le temps, ça. Tu vois ? Parce que des fois, on peut avoir des propositions très alléchantes, mais derrière, il y a un pacte qui n'est pas bon. C'est toxique, vous voyez, mes amis Gémeaux. Et ça, vous le sentez. Vous avez du nez, hein, vous avez du pif. Hein. Ouais. Vous avez dû combattre. Vous avez dû vous battre. Vous avez dû combattre toutes ces tentations qui étaient... peut-être difficile à écarter de votre chemin, à dire non, mais vous avez appris de vos erreurs aussi, hein, bien sûr, parce que vous les avez reconnues. Vous savez parfaitement qui vous êtes, mais vous êtes en train de d'ouvrir votre cœur, mais différemment, avec bien sûr en vous protégeant, mais en ne mettant pas les pieds là où il ne faut pas. Vous êtes quelqu'un qui a combattu toute votre vie pour l'argent, pour le travail, pour la famille, etc. Vous êtes une Amazone. Vous êtes une guerrière, un guerrier de lumière. Et maintenant, on ne peut plus vous leurrer. On ne peut plus vous jouer du violon, là. Non. J'ai l'impression qu'ici aussi... on me dit, vous pouvez être fier de vous. En tout cas, là-haut, on est fier de vous. On vous demande de demander à l'univers ce que vous souhaitez. Demandez, posez vos intentions avec une grande conviction, une force et toujours avec votre cœur. On vous demande de demander, de créer, vous recevrez. C'est beau, hein ? Et vous allez avoir des récompenses. Regarde. Oh, mes petits gémeaux, c'est magnifique. Lorsque les choses sont en route, atteindre l'objectif n'est plus qu'une question de temps. Et qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Tu vas obtenir ce que tu veux. Ouais. Regarde-moi ça, tu as des plaisirs. Waouh, dans la maison. Il y a peut-être une proposition de maison ou une opportunité pour déménager, là, mes amis. Il y a une récompense là-dedans, là. Waouh! Ou vous allez pouvoir acheter une maison, ou vous allez peut-être changer de lieu de vie, mais il y a quelque chose ici au niveau du lieu de vie. Mais tout en étant dans la bienveillance, tout en étant en bon contact, en bon lien avec ses proches. C'est ça que je sens. Le bonheur frappe à ta porte. Tout doucement. C'est pour soi. Sois calme. Sois dans le silence pour entendre frapper à ta porte. Tu vas savoir accueillir cette chance. Tu vas savoir la reconnaître et la saisir. Yes ! C'est génial. Il y a une nouvelle aussi qui arrive que vous allez fêter, mes amis. Ouais, c'est beau, hein ? Les amis, le destin est aussi une question de choix, pas seulement une question de chance. Et oui, et oui. Des fois, il ne suffit pas d'attendre bêtement que le truc il arrive, quoi. C'est aussi grâce à vos actions. C'est aussi grâce
à vos choix, les bons choix que vous faites. Les choix d'amis, les choix d'amoureux, les choix professionnels ici. Tu vois? Oh, dis donc, attends, regarde, tu as la réussite, hein? Waouh, c'est génial! La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Moi, je sens qu'ici, il y a beaucoup de Gémeaux, Gémeaux qui vont partir de là où ils sont. Et c'est ce que vous souhaitiez, hein? Mais vous allez réussir, vous allez l'avoir. Et peut-être qu'il y a aussi une proposition professionnelle qui va vous amener à partir. Je regarde parce que des fois, les portables, ils s'arrêtent. On n'a pas parlé dans le vide, quoi. Allez, pour vous, je vais prendre le portail de lumière. Mes petits Gémeaux, mes petits chouchous. C'est beau, hein. Oh, j'aime bien quand... c'est intense, hein, les taroscopes, hein, je vous assure. Enfin, bon, moi, je le fais tellement avec mon cœur, mon âme et tout, hein. J'apporte, j'essaye d'apporter tout ce que j'ai dans moi et pour vous. Allez, un petit message avec l'oracle, le porteur, portail de lumière, l'ordre de Melchizedek, étreint par la lumière, mission à découvert, ne lâchez rien. Regarde cette lumière que tu dégages. Regarde cette intelligence, cette finesse, cette ouverture de cœur ici. Il va y avoir aussi un carrefour, un choix. On va peut-être te proposer quelque chose ici. Ici, tu vois, on te dit, tu es droit, tu es dans la légalité, tu aimes les choses claires ici. Il y a peut-être une proposition ici. Parce qu'il y a quand même un carrefour, une intersection, et tu dois choisir un chemin. Donc, il peut y avoir une proposition de travail, donc changement. Il peut y avoir aussi quelque chose que tu lâches, beaucoup de choses que tu arrêtes pour te concentrer sur des choses qui te plaisent, tout simplement, ou qui marchent financièrement. Ce n'est pas mauvais au niveau financier, hein, pour vous, mes Gémeaux. On va voir, mais activation de l'étoile terrestre, enracinement, action ancrée, énergie d'Isis. Attends. Regarde-moi ça. Regarde. Tu as la sagesse du crâne de cristal. Tu as la clarté, la guérison divine et une énergie de haute vibration ici. Tu te libères. Hein. Attends, tu sais quoi, je vais quand même lire des trucs là parce que pour vous apporter d'autres informations, c'est important. Il y a une pureté, une clarté, une transparence dans ton esprit. Mais c'est aussi peut-être ce que je ressens, des messages que tu reçois de l'au-delà. Tu vois? Ouais. C'est magnifique. Côte de guérison. Très beau. Je vais regarder activation de l'étoile terrestre. Ah, c'est avant. Activation de l'étoile terrestre, enracinement, action ancrée, énergie d'Isis. Tu vois, il y a beaucoup de sagesse. Il y a beaucoup de choses que tu comprends actuellement. Tu es plus dans la tolérance. Ici aussi, on a mis de la lumière sur les aspects que tu rejetais de toi-même, ici. Ici, on te dit que tu vas retrouver aussi la magie. De ne pas vous précipiter. Qu-
qu'il y a une information importante qui arrive vers toi. Il y a quelque chose qui est sur le point de se révéler. Mais il faut encore un petit peu attendre. Tu vois? Je vais regarder la sagesse du cristal, du crâne de cristal. Ça m'intrigue. La sagesse du crâne. C'est vraiment pas très bien. Alors, c'est celle-ci. Tous les aspects de votre vie s'éclaircissent en ce moment. Attendez-vous à devenir conscient de ce qu'il faut éviter pour avoir un chemin plus précis. Vous étiez peut-être indécis, mais maintenant, vous téléchargez votre guidance directement du cœur de la source, ce qui vous permet de vivre et de vous exprimer de manière plus authentique. Sachez que les transmissions apparaissent souvent comme votre propre guidance qui vous encourage à avancer. La clé, c'est de reconnaître la sérénité qu'elles apportent. C'est une période de clarté et de connexion. Les transmissions des crânes de cristal viennent apporter une clarification sur ce que vous avez reçu intérieurement, afin que se déroule la prochaine phase de votre parcours. Vous devez suivre l'information reçue. Vous savez de quoi vous avez besoin pour guérir et évoluer. Si vous avez demandé un signe pour vous assurer que votre travail de soin a été un succès, comprenez que cette carte délivre le message que vous attendiez. Tu vois, c'est ce que je te disais. Hein. Il y a une énergie d'ancrage, de compréhension, de patience, d'acceptation aussi. Hein. C'est aussi d'avoir confiance en vos capacités. C'est de prendre conscience que vous êtes intuitive et la petite voix intérieure qui vous parle, c'est très certainement votre être supérieur. C'est pour ça que je dis toujours que la spiritualité est individuelle et personnelle. Parce que nous avons tous notre propre croyance, nos propres messages, nos propres guidances. Ce qui vous est envoyé comme message ne concerne que vous. Ça, c'est important. Et ça vous guide sur votre chemin spirituel, mais dans votre vie aussi, mes amis. C'est ce que je ressens. Bon, c'est pas mal du tout, ça. Alors, on va prendre quelques cartes avec les clés du destin. Ouais. Vous allez... Moi, je sens, hein, vraiment, j'entends... Vous pouvez être fiers de vous, mes amis Gémeaux, carrément. Hein. Il y a quelque chose qu'on va vous proposer, vous allez être un peu, mais agréablement. Hein. Mais vous n'allez pas vous emballer et foncer comme ça dessus. Non, vous allez réfléchir, vous allez prendre de la distance pour avoir le temps de réfléchir et surtout de mettre ça au clair, de mettre ça... de savoir exactement où vous mettez les pieds. C'est ce que je ressens. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, donnez-moi des... Non, il y en a trop. Des messages. S'il vous plaît. Pour les Gémeaux. La victoire. Regardez-moi ça. La victoire. La réussite. En fait, ici... Vous allez remplir votre coupe, votre corps, votre cœur de lumière, d'amour, de douceur, de joie, de plaisir. Ici. Et on te dit, tu vas y arriver, number one. C'est toi qui gagnes, pour une fois qu'on nous dit, number one. C'est cool. C'est vous, votre priorité. Vous passez en premier parce que vous avez besoin, parce que il y a quelque chose d'inattendu qui arrive ici, mais ça va t'apporter la victoire et l'amour. J'ai l'impression qu'ici il y a des personnes qui vont rencontrer l'amour. Ça va te donner une stimulation, un désir, une envie, ça va te donner des ailes, ça va te donner de la joie aussi.
y a de la nouveauté qui arrive dans ta vie. Hein. Et là, franchement, tu t'y attendais pas. Hein. Non. Ici, il y a peut-être aussi des personnes qui ont le cœur très épanoui parce que vous acceptez votre célibat, vous le vivez très bien, tu vois. Vous êtes heureux et heureuse comme ça, quoi. Mais il y a quand même quelque chose d'inattendu qui arrive, qui va stimuler, qui va refaire battre ton petit cœur. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Tu vois, il y a l'intuition ici. Une forte intuition te dit oui. La vie te dit oui. C'est beau. Tu vas vivre, tu vas retrouver ta joie de vivre. Tu vas te faire des plaisirs. Goodbye les galères, quoi. Tu vois, parce que tu es bien ancré, tu as grandi, tu as évolué. Et tu grandis sur des fondations solides et stables. Tu vois, on te dit, fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Oh non, il y a l'amour ici, il y a une passion ici. Non, 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 non. Je vois une rencontre hein, pour certains d'entre vous. Hein. Mais vous allez quand même vous protéger. Hein. Bien qu'il y aura une forte attirance hein, pour certains. Là. Tu vois, vous allez beaucoup converser par téléphone ou par de mail ou SMS, des trucs comme ça. Hein. Tu vois, ici, tu lâches prise et tu reviens à ici et maintenant ici. Tu vois ? C'est beau, hein. Il y a des échanges. C'est vrai que, tu vois, ici, il y a la parole, les mots ont un pouvoir, les échanges. Je sens qu'il y a un changement de communication et tu vas beaucoup communiquer aussi. Alors, c'est peut-être pour le travail ou un nouveau boulot. Il y a peut-être aussi quelque chose, tu vas mettre fin à des choses professionnelles. Ici, il y a peut-être des documents que tu vas faire signer pour arrêter parce que tu vas te mettre à la retraite. Hein, c'est possible aussi. Hein. Mais il peut y avoir quelque chose qu'on te propose. Hein. Ça va te faire plaisir. Hein. Voilà. Cool. C'est beau, hein, mes amis Gémeaux. Hein. Alors, quelle transformation? Quelle transformation? Ce sont les transformations dans ta vie. Qu'est-ce que ça apporte comme transformation? Ça sent mon Gémeaux. T'as le courage, mais on va peut-être être restimulé, avoir le courage de faire, de dire. Il y a le volontariat aussi. Le courage d'aller vers quelque chose que l'on souhaite. Que l'on veut, de participer à sa vie, d'être là, ici et maintenant, de participer peut-être à quelque chose d'associatif, quelque chose, on va peut-être apporter son énergie, on va apporter sa contribution dans quelque chose, tu vois, ouais. On te dit de garder la foi ici, tu vas avoir des signes ici, hein. Et on te demande de rester fidèle à toi-même, de rester pure, joyeuse, joyeux, optimiste, tu vois. Il y a un gain inattendu ici. Il y a une rentrée d'argent ici. Waouh. Tu vois. Parce que tu es en train de guérir du passé, des blessures du passé. C'est beau, hein. On va prendre un petit message des fées. Allez, un petit message des fées pour nos amis. Attendez, on me demande de bien brasser. Comme j'ai fait d'autres signes avant vous, il faut bien mélanger pour ne pas retomber sur les mêmes cartes, quoi. Alors, pour les Gémeaux, quel est le message, s'il vous plaît, petite fée? Donnez-moi un message pour les Gémeaux, pour ce mois de novembre. Changez vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorerez aussi votre vie. Peut-être des choses que vous voulez peut-être faire un régime, vous voulez peut-être manger plus sainement, manger les produits de votre jardin, ou tu vois. Il y a peut-être des choses que vous ne pouvez plus manger et vous allez changer vos modes alimentaires ou supprimer quelque chose aussi. Hein.
Vous allez vous sentir plus léger, plus légère. Vous allez mieux digérer, peut-être aussi, tu vois. Ça, j'adore cette carte. Tout va bien. Moi, elle m'éclate, celle-là. Tout va bien, les amis. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. J'adore. Moi, j'aime beaucoup cette carte. Elle m'éclate. Ouais, tout va bien. Ouais, bien sûr. Il y a peut-être un peu plus de sorties, de voyages, d'excursions, des trucs sympathiques ici. Et mais il y aura peut-être une possibilité de faire un beau voyage aussi pour vous. C'est votre récompense, c'est un cadeau, c'est une surprise aussi, hein. Alors, on va prendre une petite carte des forces de l'esprit pour vous, mes amis Gémeaux, pour ce mois de novembre. Quel est le message des forces de l'esprit? S'il vous plaît, donnez-moi une carte. Pour les Gémeaux, il y en a trop, s'il vous plaît. Une seulement. J'ai besoin d'une carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Oui, il y en a deux, bien sûr, les Gémeaux, hein. L'alignement. Et la divinité sacrée. L'alignement. Dépassez vos besoins de distraction. Dépassez vos besoins de distraction plutôt dans votre tête. Lâchez le mental pour moi. Lâchez le mental pour vous aligner. Pour être dans l'ici et maintenant. On y revient. Hein. Peut-être qu'ici, vous allez faire un ménage ici. Un ménage. Vous allez vous débarrasser de choses encombrantes. Peut-être. Ici. Chez vous, dans les vêtements, dans les objets, dans des trucs, quoi. Vous n'avez plus envie de vous alourdir. Au contraire, vous allégez, vous allez vous désencombrer aussi. Divinité sacrée, deux chemins s'offrent à vous, tu vois. Deux chemins s'offrent à vous. Toujours cette idée de faire un choix, mais dans la lumière, dans la bienveillance, avec beaucoup de diplomatie, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse ici. C'est ça que je ressens. Il y a beaucoup de douceur et de tendresse pour vous-même, mais pour les personnes qui vous entourent aussi. Moi, c'est ce que je ressens. On va prendre un petit message des anges. Un petit message des anges pour vous, mes amis Gémeaux. C'est l'anti-Salem qui a faim. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. C'est ça, ici, on vous dit, mettez-vous à disposition pour vous-même, pour votre bonheur, pour vos plaisirs. Attends, mon chéri. Il y a Salem. Mais oui, mais non. Hein. Il ne sait pas où se mettre parce que la table est encombrée avec beaucoup d'oracles. Donc, il est un petit peu désemparé. Voilà. Viens, viens, bébé. Donc, on vous demande de déployer vos ailes, vos couleurs, pour vous mettre à votre disposition, pour vous apporter du plaisir, de la joie, et de vous diriger sur cette licorne vers des choses qui vous font plaisir, qui vous mettent en joie. Il y a beaucoup de paix, de douceur, de compréhension ici. On n'est plus dans la combativité, on n'est plus dans la contrariété. Non, on lâche. C'est en vous apportant ceci que vous recevrez encore plus de douceur. Encore plus de joie, de plaisir. Ouais. C'est beau, hein? Je vous la remonte, cette carte. Elle est magnifique. C'est très joli. Alors, on va prendre une petite carte avec le voyageur sacré. Où allez-vous vous diriger? Où allez-vous? Vers quoi vous vous dirigez, mes amis? Vers quoi? Allez, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, quel est le voyage
Oui, je sais, tu as faim, mon bébé. Tu as faim? Hein, Salem? Ben oui, mon petit chou. Suivez votre bonheur ici. Parce qu'il y a votre étoile qui est au-dessus de votre tête et qui vous guide. Ayez confiance. Ayez confiance. Vous êtes guidé par votre intuition, par votre sensibilité, par vos expériences. Et oui, je vous l'ai dit, on a appris de nos leçons, hein, bien sûr. Il y a quelque chose de magique qui arrive. Quelque chose de magique. Quelque chose de... Oh, bah regarde, tu vois, il y a les miracles ici. Anticiper le merveilleux. Donc, tout à l'heure, on a eu la carte. Fais comme si tu avais obtenu, réalisé ce que tu souhaitais. Fais comme si tu l'avais eu, que tu l'avais. Et tu verras que tu attireras ça concrètement dans ta vie. Il y a du merveilleux qui arrive pour toi. Il y a des vœux qui se réalisent ici. Vous allez avoir ce que vous voulez. C'est merveilleux, mes amis Gémeaux. Demande et tu seras exaucé. Faites preuve d'enthousiasme. Criez votre joie au ciel. Tu vois, regarde toute cette transformation ici pour t'élever vers une énergie de joie, de plaisir, de bonheur, de retrouver son sourire d'enfant, d'être émerveillé vers des choses même toutes simples. Mais c'est ça aussi le bonheur, tu vois. C'est ça aussi le bonheur. C'est merveilleux. C'est beau, mes amis Gémeaux. Hein. Alors, je vais quand même vous faire là cet oracle. L'oracle de Annabella. Allez, pour les Gémeaux, les Gémotes. Pour ce mois de novembre, ici, il y a la femme brune qui sort. C'est peut-être vous, madame Gémeaux, Gémote. Ou c'est peut-être une femme en face de vous, à côté de vous. Peut-être des communications avec cette personne ici. Ouais. Ouais. Ici, on voit qu'il y a la maison, le refuge, la protection ici. On se protège. Il y a un lien profond d'attachement. Alors, c'est peut-être vous, madame, qui rencontrez quelqu'un. Hein. Il y a peut-être déjà un lien d'amitié avec cette personne. Ça va peut-être se transformer en amour, mais il y a une forte amitié ici. Et c'est peut-être quelqu'un qui va vous apporter une bonne nouvelle concernant une maison ou quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, il y a une transformation, une évolution dans une situation pour déménager ici. Tu vois, il y a un nouveau départ ici. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez, pour certains, certaines, vous allez déménager, vous allez vous éloigner de personnes de votre famille ici. Tu vois ? Et il y a un choix. Hein. Ce choix n'est peut-être pas facile. C'est la raison pour laquelle on vous dit que vous allez communiquer avec beaucoup de douceur, de bienveillance, avec votre famille, avec vos proches, vos amis peut-être aussi, tu vois, par rapport à ce choix. Mais de toute façon, vous bougez. Hein. Vous allez récolter le fruit de vos efforts. Parce qu'ici, on vous demande d'être loyal et fidèle à vous-même. Tu vois. Et c'est pour cet automne, hein, ces changements. Tu vois, et tu vas dire oui. Hein. Tu vois, il y a des nouvelles clés pour une nouvelle maison. Il y a des solutions aussi qui arrivent ou des propositions, opportunités. Ça va être la fête. Tu vas être super content, super contente ici. Hein. Tu vois, une situation qui était brouillasseuse, ben, il y a le soleil, un éclaircissement. Regarde, il y a l'abondance. Il y a des bonnes choses financières aussi pour toi. Tout à l'heure, on l'a vu, un gain inattendu. Hein. Regarde, non mais attends, tu as des surprises, t'as un cadeau, tu as le bonheur. Il y a plus de légèreté, plus de moins de prise de tête, moins de choses lourdes, tu vois. C'est la douceur, c'est la sérénité, c'est la tranquillité, c'est doux. Moi j'ai l'impression que là, ce mois de novembre est très fluide et très doux, tu vois, apaisant. Tout en sachant se mettre à l'abri. Oui, mon bébé, en se mettant à l'abri, en étant prudente, on va pas faire n'importe quoi. Hein. Mais c'est ce que je ressens vraiment, là. On va demander quel dragon va vous aider, vous protéger, vous accompagner pour ce mois de novembre.
J'en connais un qui commence à s'impatienter parce qu'il a faim. Et oui. Alors, quel est le dragon qui va être à vos côtés pour lui, vous donner sa force, sa protection pour ce mois de novembre? Il y en a deux, évidemment. Hein, vous êtes des gémeaux. Hein, on ne peut pas faire autrement, nous. Hein. Il y a le dragon émeraude. Il apporte la guérison et l'abondance cosmique. Waouh! La bonne fortune est en chemin, mes amis gémeaux. Accordez vos pensées à votre perfection divine. Alignez-vous sur votre conscience pantindimensionnelle. Et ça, c'est avec, vous savez, le cristal, le crâne cristallin. Il est ouvert, il y a une guérison. Viens, bébé. Je sais ce que tu veux, mais j'ai presque fini, mon petit chouchou. Et vous avez le dragon blanc d'Orion. Il transforme votre connaissance spirituelle en pure sagesse. Développez vos connaissances, agissez avec authenticité et honnêteté. Laissez vos ailes de lumière croître et se développer. Il y a vraiment un nouvel envol, une nouvelle vie. C'est pur, c'est lumineux. Vous êtes sain, vous êtes en bonne santé. Vous avez un esprit clair. Vous voulez des choses claires de toute façon. C'est sûr. C'est droit, c'est net, c'est clair. Pour clore cette lecture avec l'oracle « Je suis ombre et lumière », je vais prendre deux cartes. Une carte blanche, une carte noire. D'accord, mon bébé? Et toi, t'es la petite carte noire? Il me cause. Je l'adore, je l'aime, ce bébé. On prend une petite carte noire, mon doudou? Oui, bébé, ben viens. Tu veux pas venir dire bonjour? Alors, demande clairement ce que tu veux. Demande clairement ce que tu veux. Et ça, c'est dans les intentions ici. Et une carte noire, ça c'est Alexia qui les a rédigées. Moi, c'est les blanches, elle, c'est les noires. Tu es un milliardaire d'expérience. Dieu sait que les Gémeaux en ont eu des expériences. Hein. Mais c'était des leçons de vie, c'était pour grandir, mûrir, comprendre, avancer et devenir ce que vous êtes aujourd'hui. C'est beau, vous êtes belles et vous êtes beaux, mes amis Gémeaux, Gémotes. Je vous embrasse tous très fort. Prenez soin de vous. Namasté.